Et plop les gens, de retour du coup pour ce normalement dernier épisode pour le défi 8 heures de Factorio. J'avoue que en me disant qu'il reste une seule heure et qu'il y a zéro charbon à ma base, je suis pas très confiant. Faire comme ça. Je suis pas très confiant du tout. Et déjà, ça arrive pas loin de là. Je sais plus, évidemment. Non, c'est... il va falloir que je prenne plein de. Donc, il me faut plein de poteaux électriques. Il me faut plein de machines. De machine de mineuse. Mais de toute façon les poteaux électriques vont faire que je vais être obligé de retourner à la base. Mais voilà. Voilà, et là mon PC, toujours pas changé depuis la dernière fois. Mais il est à 60 FPS, 60 UPS, j'enregistre, je stream, tout ça. Alors qu'avant, ça ne le faisait pas. J'ai changé un truc. J'ai, dans les paramètres de Factorio, j'ai juste enlevé les fumées. J'avais fait ça en jouant une fois en Fighter Battles et j'avais remarqué effectivement une amélioration. Hop, est-ce que j'ai besoin? Non, ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin. Toi, il faut que tu produises des mineuses. Ok. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je peux prendre ça, je peux... Des poteaux électriques, pour ça j'ai du bois. J'ai un tout petit peu de bois, mais il va me falloir du cuivre. Il va me falloir pas mal de cuivre. Peut-être pas sur cette ligne-là. Voilà, ouais, c'est bon, j'ai des poteaux, j'ai des convoyeurs, je vais prendre un peu de fer aussi si possible. Voilà, comme ça si jamais marche, et plop d'eau, merci. On sait pas que des gens viendraient parce que c'est le Z-Event en plus, c'est dimanche soir, donc je me prends vraiment au pire moment pour streamer, mais voilà. Ça fait trop de temps que j'ai commencé cette partie, il faut que je la finisse. Je vais arriver juste ici. J'ai vu que t'étais sur Factorio toi aussi depuis tout à l'heure. T'es sur la partie qu'on avait commencé à deux ou t'en es sur une autre? Tac, tac, tac. Non. Ça comme ça. Et on va surtout... courir. Parce que ramener du charbon, ça va pas être rapide.
J'ai eu peur, je voyais 10 poteaux. Ok, là normalement les machines commencent. Les mineuses commencent à se mettre en route. Et voilà, sur une autre, je fais les achievements 111. Ah mince, mon retour est un peu trop gros. No solar et no laser turrette, no coffre logistique. Ok. No coffre logistique, enfin c'est pas les coffres logistiques avancés plus exactement. Celle-là je l'avais fait par défaut puisque au final... Ah j'ai oublié de prendre les minces. Les mineuses d'avance, c'est pas grave. Nos coffres logistiques et je crois nos solar, nos tourelles. Je crois que je les avais fait plus ou moins par défaut. parce que je n'avais pas encore. Ah pourquoi? Si ça avance, ok. Je n'avais pas encore de... Enfin, c'était ma toute première partie, donc je découvrais un peu tout à la fois. Et le temps de lancer la fusée, j'avais pas tout fait. Ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire, mais en soi, on s'en fout. J'ai une ligne de charbon, il me faudrait une deuxième ligne de charbon peut-être. Peut-être faire ça. Alors là, là. J'ai mis un radar, je ne crois pas. Non, j'ai pas l'impression. Je vais en mettre un. Non, pas là. Là, c'était mieux. Une mitrailleuse au moins. J'ai pas de mission. J'ai pas de mission. Hop là. On va essayer de ramener deux lignes de charbon parce qu'il nous en manque. Enfin non, je pense qu'une ça devrait suffire, mais. Ça sera jamais trop. Alors du coup, ce qu'on peut faire. Là on va faire ça et là on va faire ça. La voiture qui va galérer au tournant. Je peux en faire combien? Je peux en faire 300... 300, oui, j'aurais dû... Parfait. Que j'aurais pu continuer, vu qu'il les fait plutôt très vite, les tapis. Pas besoin de chercher la voiture pour la faire avancer. Hein. Pire, elle se prendra. Elle se prendra un poteau et elle lui fera des dégâts. Oula, la fatigue ce soir. Là on va par contre faire ça. Et le PC qui la gote quand même. Ok, là ce qu'on peut essayer de faire... Alors...
Tac, non, on va continuer. Passara ici. Puis on entrée à droite, voilà. Comme ça. Oh, la voiture qui avance quand même. Donc là on n'a pas de tapis complet. Ok, ce truc là il est déjà supprimé. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va le faire. J'ai des robots, oui j'ai des robots. J'ai des robots sur moi ou pas? Je ne crois pas. C'est où le robot port personnel? Ouais. Non, je l'ai pas là. Je ne l'ai pas. C'est pas là. Robot port personnel 1, je ne l'ai pas. Et je suis pas du tout prêt, pas du tout près de l'avoir. Pas de souci. On peut prendre ça. Alors, on va se remettre le. Le défi là, il faut 1000 d'acier, 200 processeurs. Je crois que j'avais. Non, je les avais tous répartis. Je les avais tous répartis. Ok, Tac, 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 on va se mettre un. Ah, il manque de l'acier. Oui, je crois qu'il manquait de l'acier de toute façon parce qu'il n'y a pas de charbon. Oui, ça. Alors toi, tu fabriqueras ce que tu peux. Voilà. Alors on a dit. De 100 processeurs, j'en vois 170 ici. Il va en falloir plus. Et ensuite, 1000 d'acier, 200 moteurs électriques, 100 tuyaux. 100 tuyaux, je crois que j'en ai. Voilà, ça c'était pas un souci. 1000 de béton, je les ai là-bas. Donc 200 moteurs électriques et 1000 plaques d'acier. J'ai rien dit, le PC qui commence, qui recommence déjà à souffrir un peu. Alors 200, ouh, les moteurs électriques, j'ai pas. Les plaques d'acier, est-ce que je les ai stockées quelque part? Est-ce que... Là, 300, je suis loin. Loin du compte. Non. J'ai pu utiliser ça pour courir plus vite depuis tout ce temps, mais c'est pas fait. Donc c'est pas grave. Bon, le charbon, ça arrive. Le charbon arrive. Même les deux de charbon arrivent. Très bien. Bon, lui faudrait le rediriger ailleurs. Pas de soucis, de toute façon c'est pas le plus important. Le plus important c'est que le charbon arrive. De manière beaucoup plus régulière que quand c'était moi qui le donnais à la main ou qui demandais à mes robots de détruire de la forêt pour le fabriquer. Donc j'avais dit 1000
Non, tout. 10. Donc là, il y a 500, là, il y a re 500. Et là, il y aura à peu près 500 trucs. Du coup, ça fera que ça, ça pourra produire assez vite. Ouh, là, les frimes. Ok. Si ça arrive là, il n'y a pas besoin que ça passe plus loin. Donc les rats rapides, c'est cool. Est-ce qu'on peut ramener un deuxième tapis? Je pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, je suis en train de regarder où est passée la voiture, du coup. Bloqué là-bas, d'accord. Relativement logique. Ça. Étant montré à gauche comme ça, c'est la mine d'ici qui fournit en premier, comme ça on l'exploite au maximum. Avoir ramené la voiture, ça va me permettre de repartir très vite. Cette esquive là, passer entre deux poteaux comme ça, en général ça passe pas. Ici, on va faire comme... Et mince. J'ai pas de munitions. J'ai pas de munitions. Oh punaise. C'est lui du coup. La pollution est arrivée et ils se sont mis à pas être contents, les petits aliens. Ça va
ça va là. Ouais, bon. Là, il y a un camp, je me disais que c'était peut-être pas gênant. Apparemment, si. Surtout ceux du sud, je pense. Non, j'ai pas mieux. Ah! Quoique dans le sud, y a rien, y a. Il n'y a que deux producteurs. Ah, punaise. Faut que je vois ce que je peux utiliser. Alors tout est remis en route au niveau des fours. On va voir ce qui se passe plus loin. Il en fallait combien? Ah, ils sont en train de couper la barbe de moment parce qu'il a atteint les 100 000. Fallait pas. 1 000. Oui, de toute façon, c'est les jaunes. Oui, je disais ça, il en faut combien? Il en faut 1000. J'en ai mis 0, j'avais oublié, mais pour le moment on s'en fiche. Je vais avoir besoin de militaires. Alors le militaire, c'est pas là qu'on l'a, mais. Où est-ce que j'avais mis les potions militaires? Punaise, j'ai déjà tout oublié. Violette bleue. J'ai pas fait de potion militaire. J'ai jamais fait de potion militaire. Ok. Eh ben, très bien. Et 70, je crois qu'on a nos 200. Parfait. On a dit qu'il manquait les 1000 plaques d'acier, mais qui sont en train d'arriver. Et sans moteur encore. Sans moteur électrique, les potions jaunes, elles ont besoin de quoi? Là, il y a besoin de moteur électrique, oui. Et il y a besoin de ça qui ont besoin de moteur électrique, ok, très bien. Nanana.
fait, je me demande du coup. Pourquoi je fais ça? Je peux faire ça, ça va plus vite. Je me demande. Pour ça, non, ici. Alors là, le truc, c'est que le cuivre, j'en ai pas des masses. Mais à un moment, si j'ai du minerai là, j'ai du... Ah oh, punaise, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne. Et j'ai pas pris d'acier. S'il faut que je prenne de l'acier comme ça fera des munitions rouges. Ça sera tellement plus efficace. Je prends tout. Oui, c'est le cuivre. Il ne faut pas que je meure avec tout cet acier. Je fais des allers-retours. Le truc qu'il faut surtout pas faire quand on essaie plus ou moins de faire un speedrun, faut choisir et être décidé dans ce qu'on fait. Hop, j'y vais. Alors non. J'ai pas pris d'armes en passant. Ça annonce mal. J'ai pas pris d'armes, j'ai pas pris de tourelles. Non, je peux pas. Je suis où? Faut que je prenne la voiture. Prenne la voiture, je suis déjà un peu trop loin. J'ai plus de charbon dans la voiture, c'est super. Elle va se prendre le caillou. Je peux attaquer avec la voiture, c'est vrai que la voiture a une mitrailleuse. Ça se sent que c'est une voiture et pas un tank, hein. Ça a du mal à rouler sur les insectes. Je peux pas, ok. Non. On va la remettre là parce que le problème c'est de venir jusqu'ici et repartir. Au pire, je peux prendre les tapis roulants, ça accélère.
Faut que je récupère mon cadavre, il est où? Est-ce qu'il était là? Non. Attendez, où est mon cadavre? Là que j'ai attaqué, je suis passé là et après je suis descendu. Là. Punaise. Là. Ah, évidemment. Évidemment, en plus j'avais pris beaucoup trop de choses sur moi. J'ai pris beaucoup trop de choses et ou alors j'abandonne tout ce qui est là-bas, enfin faut que je reprenne au moins mon corps juste précédent là. Mais à part ça, je peux peut-être tout abandonner. En me disant que le plus important c'est d'augmenter l'utilisation du charbon pour que l'électricité revienne et. Tant pis si cette mine se fait attaquer. Là. Alors, faut au moins ce corps-ci. J'ai oublié que la voiture pourrait faire office de coffre. Ça on peut le garder. Du coup on va essayer de reprendre notre corps quand même. Et on se casse. Tous, sinon ils vont attaquer tout de suite. Voilà. Ce qui serait cool. Et ça je peux le poser là. Ok. Continuer à arrêter de faire ça.
Ok, le truc qu'il fallait pas faire. Côtière 1, 2, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. D'avoir plus de charbon, enfin plus de qu'est-ce ça va. Oh non, oh punaise. Non, j'ai clairement trop pollué, pas fait assez de défense. Salut Overclock, tu ne connais pas les Z-Events. C'est un événement organisé chaque année, j'ai envie de dire, même si il n'y a aucune garantie de la part de l'organisateur. Par Zerator et son équipe, pour réunir des dons. Oula. Et je vais crever. Et je vais crever. Pour réunir des dons pour des associations, comment on peut dire, pour des associations connues, bienfaitrices, comment je peux dire. cette année en tout cas c'est Amnesty International, et du coup il y a pas mal de streamers très connus qui se rassemblent et qui... qui voilà, qui font un événement pour essayer de récolter des dons. Voilà, je sais pas trop comment expliquer plus là tout de suite. Mais si t'as des questions un peu plus précises, si tu ne connais pas les gens dont j'ai dit le nom par exemple. N'hésite pas. Ça, il manque quoi? Il manque des fours en pierre, punaise. J'ai posé tous mes fours en pierre pour que maintenant il m'en manque. Et eux, ils sont en train de me détruire tout. Ce défi, faudra que je le refasse et pas tout de suite, mais j'ai oublié les grenades, j'ai oublié les grenades. Parce que là, j'ai plus de production de tout ça. Je suis à 96%. Oh là là, petit lag forcément. Ici, bon, ici manque rien. Donc les structures à faible densité, il leur manque de l'acier. Ok.
puis Plop Tokyo Mia. Comment vas-tu? Où est mon corps? Là. Et je sais que j'ai pas pris les grenades dans mon corps à l'arrache là. Là. On s'en fout. C'est bon, je les ai tous tués là à force. Non, ils sont allés là-haut. Ils sont allés tout détruire là-haut, c'est pas possible. Que tout est intact. Comme tu vois, il reste 20 minutes. Donc, dans les faits, oui, il est bientôt fini. Après, est-ce qu'il est bientôt réussi? On va voir. On va voir s'il va être réussi ou lamentablement loupé sur manque de charbon et défense. Et de défense. Obligé de mettre ça là. Non, ça oui, ça oui. Voilà. Ah mince, ok. Ça il en faut, parce que là il faudra du charbon jusqu'au bout. Ouais. Non, on est... Merde. On n'est pas obligé de le faire en solo l'achievement. C'est juste... tant qu'à faire, c'était plus rigolo. Je reconstruis à moitié, mais... Je me demande si ça sert à quelque chose. Quelques usines. Oh, il y a une autre vague. Mourir. Je vais mourir. Non, au niveau de timing, je gérais pas mal. Ouais, plus dur. Enfin, plus dur, quoique. C'est pas parce qu'on est deux qu'on avance deux fois plus vite. Ah! J'ai des cordes partout. Allez là. Parce qu'il se fait raser en même temps que qu'elle recherche le dernier truc qui me manque. Ça c'est parfait. Et allez. Ok. Donc, toi... non, mais du coup, je peux tout prendre. Il manque quoi? Il manque les moteurs. Vu que j'ai plus de... Vu que j'ai plus rien dans les poches. Je vais bosser plus vite que ça.
Il me faut 3 arbres, il me faut un peu de cuivre. J'ai plus rien. Non, mais ma base, elle était pas faite pour recevoir des bytes. Il me manque 14 minutes. En vrai, je pourrais. Avec une base défendue, je peux le faire, je pense. Sauf que la base est loin d'être défendue, loin d'être défendable. Ça, je peux le poser là. Ok, et normalement, ça va pas être ouf. Mais j'ai au moins ça. Je vais peut-être pas retry tout de suite, mais enfin, en tout cas ce soir c'est clair que non. Non, lancement automatique même sans cargaison. Si lancement automatique avec les cargaisons, est-ce que je peux y mettre quelque chose? Non, je peux rien. Il va falloir que je retraille un jour, mais en fait ce PC, j'ai trop de ralentissement, tout ça, je compte l'améliorer, donc j'attendrai l'amélioration du PC avant de retenter. Alors où est mon corps? Là il y en a un, je crois qu'il y en a qu'un normalement. Ok, ça on s'en fout. Ok, j'ai tout retrouvé. Détruire, ok. Qu'est-ce qu'il faut en vrai? Oui, j'ai plein de... J'ai plein de choses sur moi. Alors... Tac, tac, tac. Ici, priorité en sortie. Ici, il manque du plastique. Oh là là, le plastique, c'est ce qui vient de mourir. Tac, tac. Oui, j'ai des souterrains.
perdu tout ça. Elle bosse pas parce qu'ici c'est détruit. Ok, ici ça bosse, c'est parfait. C'est pas ouf, mais j'en ai besoin. Là, je vais remourir. 7 minutes. Ah, c'est parce qu'il y a un nid ici. Oh là là. On a combien de pourcents? On est à... Il manque ça là. On peut pas voir de combien de pourcents on est là. Si je prends ces deux tourelles que je les mets là-haut. 28 balles, 29 balles, ça fera pas grand chose. Tout ce qu'on a besoin c'est que eux bossent. Faut d'abord récupérer les vraies armes. Pourquoi ça produit plus? Est-ce qu'il y a plus? Il y a plus. J'avais fait ça. On va dire que j'avais fait ça. Je
vais essayer de remettre ça en route parce que ça permet de pas être bloqué et de produire plus vite. Là, tout ça s'est reconstruit. On fout. Là, il n'y a plus assez de pétrole. Et pour ici, il faut de l'électricité et de l'eau. Mais le pétrole, pourquoi il n'y a pas assez de pétrole? Oui, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans les pompes. Tout simplement, oui. Et ça reprend, oui. Ouais, 3 minutes, je sais. Justement, j'avais une partie qui était bien partie quand même. Et ah tiens, j'ai plus de charbon. Bon, bah, c'est dommage, ça pique. Ah tiens, j'ai plus de... Je me fais attaquer par des endroits que j'avais pas prévus. Ça pique beaucoup. Tac, tac, tac. Dans ce sens-là, on s'en fout. Elle vient de là-haut, l'eau. Voilà. Voilà, si j'oublie ça, ça va pas le faire. Une minute trente. Plastique, il est où là? À combien de pourcents? 53%. Ça va pas le faire. Pas le faire. J'ai aussi besoin de plus de charbon. Oh, punaise. Pourquoi j'ai du charbon qui arrive comme ça? Tu vas faire le décompte? C'est trop tard. En plus, il faut que j'envoie la fusée à ce moment-là. C'est pas... Faut que la fusée soit partie et sortie de l'écran au moment du 3-2-1-0. Où est la voiture? Elle était pas censée... Ah non, je l'avais ramenée là, la voiture. Hop là. Ouais, là, il y a eu des ennemis qui m'ont bouffé tout. En plus, donc... Ouais. Comme quoi, on peut pas réussir tous ces défis.
du premier coup. J'aurais sûrement dû, déjà, vraiment prévoir un 8 heures de stream d'affilée. Hein, 8 heures d'affilée. Hors stream, évidemment, c'est toujours plus facile. Là, je sais même pas si du coup, je vais essayer de... Oh, punaise. De finir ou pas. Ouais, à 8 heures... Oh mince. 8 heures d'affilée, tu te prends un dimanche où t'as 10 heures avec quelques pauses, évidemment. Hein. Mais 10 heures avec des pauses... Ça va quoi. C'est faisable. Ou un stream 12 heures ou je sais pas, mais tu te prends un jour où t'as toute ta journée, t'es tranquille. Surtout, tu changes pas en cours de route, tu gardes tout en tête. Très important. On va juste voir si je réussis à l'envoyer. Je me suis demandé si je coupais la VOD et que j'en refaisais une de plus. Je pense que je vais juste aller jusqu'au bout. Ah bah maintenant c'est lui qui manque. Et lui il a besoin de processeur. Le processeur c'est une autre filière du... Les processeurs, c'est totalement une autre filière du plastique. Enfin, non, il y a du plastique, mais de la chaîne... Tac, tac, tac. Sauf que là, il va falloir aussi du plastique. Voilà. Et il va aussi falloir... Donc déjà, le cuivre, il faut quand même le ramener maintenant. Pas besoin de tout faire. Cette moitié là, comme ça les circuits rouges sont produits. Circuits rouges qui peuvent aller là, qui peuvent aller au circuit bleu, et circuits bleus qui n'ont rien dans leur tuyau de... Comment ça s'appelle ? D'acide sulfurique, du coup il faut refaire revenir l'acide sulfurique. Voilà.
Ça, il faut le produire du coup maintenant. Et là, on vient de dépasser les carburants de fusée. Si jamais on n'en a pas assez produit, il faudra aussi y remettre en route. Ok, tac, tac, tac. Et là-dessus, on peut en produire un. D'eau qui revient maintenant. Bon, ce soir, je vais juste finir ça. Ce soir, je voulais juste me motiver à restream parce que ça faisait longtemps. Et que voilà, en plus, il y a le... Pourquoi je me vois pas le... Je vois pas mon retour, c'est... Bon. C'est mon retour qui a bugué. J'espère. Bref, ce soir c'était voilà, juste de la remise en stream parce que j'ai pas... Ouais, de la remise en stream parce que ça faisait longtemps et voilà. Et que je voulais finir ce défi beaucoup plus tôt, je pensais le faire en deux fois, du coup je m'y suis pris en trois fois je crois. Et c'est beaucoup trop. Alors le vert, puisque évidemment c'est le prochain sur la liste. Il faut au moins que ça vienne. Quoi ? Oh merde. Ça c'est bon. Ok, ok. Donc là, il y a au moins un peu de vert. Tac, tac, l'autre usine à verre, elle est là. Et sinon, oui, Do, je me suis pris masse d'attaque. Tout simplement. En plus, je pense pas que reprendre la sauvegarde me mette dans un état récupérable. Je sais plus pourquoi j'en ai besoin. Voilà. Et puis là, je monte en retard, toi, tu te calmes. Ouais, mais en plus, c'est pas des attaques très fortes, c'est juste que bah, mon armure, c'est la première armure du jeu parce que j'ai rien, j'ai fait aucune potion noire. Vu que j'ai fait aucune potion noire, j'ai pas automatisé les munitions, j'ai pas automatisé tout ce petit monde qui est bien pratique. Du coup, c'est la merde. On n'y arrivera donc jamais. Là, ils ont recoupé l'arrivée en circuit vert. Où est mon corps? Il est par là, non? Oui. Non, mais me courez pas après! Non mais pas les biters. De toute façon. C'est mort. Juste là l'alimentation circuit vert. Ah elle est en priorité à droite. L'erreur. Parce que si elle est en priorité à droite, elle ne va pas au processeur bleu.
Faut pas qu'on se fasse trop repérer. Là, on a dit priorité aucune. Aucune, parce que on a aussi besoin de circuits rouges pour faire les circuits bleus. Alors, où est mon corps? Il était par là? Je ne me vois pas, il fait nuit, c'est magique. C'est pas là que j'ai couru? Là. J'ai de quoi faire, hein. C'est juste que j'ai pas d'armure, j'ai pas de balles produites automatiquement, j'ai pas de grenades produites automatiquement. Donc voilà, je m'en débarrasse dès qu'il s'occupe pas de moi. J'ai pas de mur produit automatiquement, j'ai pas de tourelle, j'ai rien, je suis dans la merde. C'est tout. Ça a besoin de 10. On a 64. On est à 64. Il en faut 10 fois 40 encore. Près. 36. C'est ça. Hein. 10 fois 36. Donc il en faut encore 360. Ouais. Pour voir si c'est la peine ou pas du tout. Un se produit en plus de 30 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 par 8, on va dire. Ouais. Je sais pas. Je dirais un quart d'heure, mais à peu près, mais je suis très loin d'être sûr de moi. Et encore, ça c'est si ça produit relativement proche du 100%, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Un quart d'heure à me prendre des attaques répétées et où je sais pertinemment que je ne tiendrai pas les attaques. Je pense que je vais arrêter là, hein. Dites-moi si vous voulez me voir continuer à galérer, mais je pense que ça sert pas à grand chose. C'est moins le bordel sur ma map que sur la tienne. Et ben, pourtant c'est nimp, hein, ce que j'ai fait. Jamais de la vie tu fais ça. Mais c'est vrai que c'est un truc un petit peu que je regrette à force de jouer à Factorio, c'est que plus tu y joues, plus tu connais des patterns un peu optimisés, tout ça, plus tu sais à peu près comprendre combien de place ça va te demander, tout. Donc t'as moins le charme du début de faire des belles spaghettis, tout ça, belle prise de tête spaghettis. Pourquoi ça produit pas assez, d'accord.
ça produit pas assez parce que ça produit pas assez hein. Je suis toujours aussi toujours paumé pour la place ou l'optimisation. Pendant que certains pics sont lancés dans le chat. tac tac. Ah mais oui, mais. Obligé de faire ça. Sinon la production de circuit rouge ne sert à rien. Bon, en même temps, c'est plutôt les circuits verts qui sont toujours demandés par les bleus. Et on en arrive à un point où on n'a plus de carburant pour fuser. C'était lequel? C'est celui-là. Donc les attaques. Ouais, non, c'est mort. Hein. Si j'en ai des grands. Et on se refait attaquer, mais tout en bas. Non, j'ai juste pas envie là de tout refaire, faut absolument que je me mette d'abord sur la production de murs, de... Mais un truc que j'ai pas bien fait sur ce challenge du coup par rapport au précédent... Bon, à part les défenses... c'est que tac. À part les défenses, il y avait quoi? Les défenses, oui, c'est les robots. Les robots, je les ai lancés beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Et je les ai même pas. J'ai même pas de robot port sur moi pour m'aider. Ça m'aurait bien aidé de pouvoir laisser la reconstruction automatique à des robots. Pendant que je vais faire des défenses par exemple. Ok, j'ai plus de munitions. Autant ne pas l'achever. Ouais, c'est ce que je me dis. Du coup, c'est sur cette défaite qu'on va arrêter l'épisode et cette série-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Malgré tout, on peut pas avoir des victoires dans tous les cas quand on se lance surtout dans un challenge de vitesse. Je pense que tous les autres
On va refaire vite fait le tour des succès. C'est où? C'est là. Tous les autres sont à peu près... enfin, sont faisables. Sans aucun souci. On va dire quand même le 111 objets si on règle pas le jeu pour nous empêcher de fabriquer un objet. Tout le reste, c'est faisable très très vite. Enfin, pas très vite, mais... sans s'en rendre compte en fait, genre là, construire la locomotive, technologie de raffinage de pétrole, ce genre de choses. Tout ça, ça se fait tout seul. À construire sans machine à l'aide de robots, ben... Ah bah j'ai commencé à apprendre et utiliser les robots. Ah tiens, j'ai un succès pour ça. Ça, celui-là, je crois que j'ai eu du mal par contre. J'avoue que si je devais le refaire... Je crois que j'ai eu le succès construire plus de machines en utilisant les robots de construction que manuellement. Je l'ai eu parce que j'avais des mines qui étaient posées par les robots et du coup ils posaient des robots, des mines en boucle tout seul. Déconstruire sans objet avec des robots, bah, pareil que construire sans. Ravitailler 10 000 fois, ça se fait tout seul. Un parcours de 1000 cases ou plus. Oui, je crois que bah, c'est quand t'as une mine un peu loin au final. Mourir écrasé par un train, ça c'est les vrais qui réussissent à l'avoir en tout dernier. Ce que je voulais essayer de faire et je me suis quand même fait écraser. Une locomotive en 90 minutes, c'était pas si compliqué, un peu chaud parce que je l'avais fait en stream et que j'étais allé un peu à deux à l'heure. Production en masse, faut juste avoir une grande base ou prendre son temps. Là c'est des productions par heure. Si c'est par heure, là c'est en masse, ça c'est par heure, donc faut faire une base un peu plus grande quoi, mais ça se fait. Quand on a cet objectif, en tout cas, j'avoue qu'on le fait peut-être pas tout seul. Ça pareil. Disney par impact, ben faut se dire que c'est. Ah bah tiens, j'ai réussi. C'est bien ça, j'ai réussi à écraser des nids avec mon tank. Donc le gros poil dans la main, celui qu'on a fait la dernière fois, donc lui, oui, 111, c'est très très vite, il faut absolument s'empêcher de faire des objets à la main pour l'avoir, sans utiliser de panneaux solaires, sans utiliser une seule tourelle laser, ça va. Peut utiliser les coffres avancés, on peut apprendre à les utiliser après avoir lancé notre première fusée, donc ça va. Celui-ci est un peu secret, donc je vais pas le spoiler, mais au final, je l'ai fait à la fin de la dernière de l'autre série. Donc, si vous l'avez vu et que vous avez fait gaffe, vous savez comment on l'a. Finir en moins de 15 heures, du coup, c'était facile. En stream et tout, j'avais mis 13h30. Le golem, là, il faut avoir 500 de boucliers, se prendre un train à pleine vitesse, en gros. Ou une bombe atomique, peut-être une bombe atomique améliorée. En gros, on se blinde de notre armure modulaire de masse d'armure et ça se fait. C'est de là, bah, ça c'est en total, ça c'est par heure, donc il me faut, en gros, il faut que j'ai deux fournaises de fer par rapport à ce que j'ai d'habitude ou que j'ai eu au max. Ça, il faut poser plein de panneaux solaires, mais vraiment plein. Brûler des arbres, j'utilise jamais le lance-flammes, mais sinon ça se fait tout seul, je pense. Et les robots de combat, je les ai juste pas trop utilisés. Et voilà. Le dauphin, je ne spoil pas, je dis au revoir à la vidéo tout de suite. Je t'en parle après, si tu veux. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas la vidéo. Je vous dis à très vite, comme je l'ai dit, je pense pas tout de suite sur Factorio, ça dépend aussi à quel moment je lance les uploads, mais on verra. Mais voilà, à très bientôt.